Je vais vous prier pour prendre connaissance de ce menu, s'il vous plaît. Je vais vous accompagner vers une table de clients. Vous avez trois clients. Madame fête son anniversaire aujourd'hui et elle a commandé un champagne que vous allez devoir leur servir et en même temps, effectivement, leur proposer un accord mets et vins pour chaque plat. Super. Pour cela, vous avez 7 minutes. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue parmi nous. Avant tout, est-ce que la table vous plaît? On m'a fait part que c'était pour un événement. Notre anniversaire, madame. Alors, on souhaite que l'ensemble de l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire. Il me semble que vous avez transmis l'idée de commencer par du champagne. Je vous apporte ça alors tout de suite. Alors, madame, le champagne, direction OG et AI sur la champagne. Donc, de chez AI sur la cuvée R020 sur la cuvée brute. Monsieur, vous connaissez la maison ou c'est une découverte pour vous? C'est une découverte. C'est une découverte. Alors, on est sur un super vignoble qui est la Champagne. Et on est chez la maison de l'Allier. Aujourd'hui, le chef de cave est Dominique de Marville et qui fait un travail extraordinaire. Donc, sur deux grandes parcelles qui sont Aï et Augé. Donc, Aï, grand cru de la vallée de la Marne, et Augé, donc un peu des blancs. Vous allez voir, on est sur un magnifique assemblage avec ce pinot noir qui apporte cette structure, cette puissance. Et vous avez le chardonnay rempli de fraîcheur et de gourmandise. Donc en plus avec un dosage assez faible, on est à 7 grammes, donc ce qui permet de commencer le repas sur vraiment un champagne frais. On est vraiment sur la notion de détonateur plaisir, ça va ouvrir les papilles, et je pense qu'après ça, on ne peut que s'amuser. Je me permets de vous lire des bouchons si vous êtes placomusophile, madame, monsieur, donc collectionneur de capsules de champagne. Madame, monsieur, est-ce que vous me permettez de goûter le champagne? Quelques millésimés, le dernier en date est le millésime 2014, un magnifique millésime justement rempli de gourmandises. Et il a également quelques parcellaires avec les sous et le pilon. Justement, il travaille deux cépages différents, 100% pinot noir ou 100% chardonnay. Donc on voit justement la main de Marville qui est un superbe chef de cave. Justement travailler à l'ail et à l'huile d'olive des Baux et après continuer sur l'œuf de poule de saumon cocotte. Et pour ces deux entrées, j'ai envie de vous amener sur un jeu de texture. Avec mon chef sommelier, on s'est amusé en fait qu'avec un plat, le vin peut changer complètement d'image. Et donc en fait, je vais vous proposer une bouteille pour les deux premières entrées et vous allez voir sur deux entrées différentes, on a un vin complètement différent et justement s'amuser à travers ces différentes textures. Et pour commencer, j'aimerais vous amener dans le Jura.
Voilà, on a de la gourmandise, on a beaucoup de côté très chaleureux sur le pain d'épices, l'œuf, l'asperge avec l'huile d'olive. J'aimerais vous amener sur un chardonnay du Jura, domaine des Marnes Blanches. On est vraiment dans le sud du Auvergne, un couple qui travaille super bien depuis 2015, et donc un chardonnay élevé sous voile, donc on va justement garder la fraîcheur du chardonnay, ce côté noix et tout qui peut justement répondre à cet œuf, à la mouillette de pain d'épices, et ce voile qui va apporter cette structure pour justement pas se faire prendre par exemple par l'asperge et l'œuf, qui est souvent synonyme d'être compliqué à accorder, mais aujourd'hui on arrive à se faire plaisir sur ces vins-là. Donc je pense qu'un détour sur le Jura, domaine des Marnes Blanches, sur un millésime chaleureux de 2020, je pense qu'on pourrait se faire plaisir dans une belle verrie bourguignonne pour vraiment laisser le chardonnay s'épanouir. Est-ce que cela vous ferait plaisir pour cet anniversaire, madame, monsieur ? Merci. Donc ensuite, on a le plat principal, l'agneau azuria, rôti, donc vous allez voir, fondant, et accompagné de cette fève de tonka qui va apporter cette puissance, cet élan. Ben, j'ai envie de vous faire découvrir une belle syrah avec. On va aller du Rhône. On va aller chez un domaine que j'apprécie beaucoup, on va aller chez Christine Vernet. On va chercher une côte rôtie, blond du Seigneur, en millésime 2016. Millésime solaire, millésime chaleureux. Et pourquoi parfaitement, elle irait parfaitement avec ceci ? Parce que avec le vieillissement, on a cette sensation un peu de tonka. Le côté épicé, un peu bacon, justement, va faire écho à la puissance de l'agneau, mais à cette délicatesse. Et je me permettrai même, si ce choix vous convient, de le carafer en début de repas, qu'il ait le temps de s'aérer, et au moment du plat, le servir, qu'il soit vraiment en osmose, et que vous ayez un accord mésévin sur le plaisir, la gourmandise d'une belle syrah juteuse. Donc voilà, un joli côte rôti, Blum du Seigneur 2016, de chez Christine Vernet, qui a pris dans le travail de son père, Jean-Jean. Est-ce que cela vous fait plaisir ? Ensuite, le Stilton, fromage anglais, fromage plaisir, vraiment fondant, gourmand, avec justement un pain qui va être grillé, donc ces arômes un peu de torréfaction. Et j'ai envie de vous emmener un peu à l'étranger. Je vous emmène à Porto, sur un Stiltoni, maison Quinta de Noval, une des plus belles maisons que j'ai eu la chance de visiter. Et je veux vous emmener sur un style oxydatif qu'on appelle le Tony. Donc il vinifie dans des pipas, dans des plus petits fûts, minimum pendant 7 ans. Là, sur un 20 ans d'âge, donc un bel assemblage. Et justement, le Stilton marche super bien avec le style de vin de Porto. Et avec le pain grillé, on va faire écho à ces notes d'oxydation, côté un peu toasté, caramel. Donc je pense que déjà, ce sera une découverte. On a l'habitude de mettre du vin rouge, par exemple, sur les fromages. Et là, j'ai envie de faire ce récolte et vous emmener dans la belle région de Vallée du Douro. Voilà, sur un joli Quinta de Noval, Tony, 20 ans. Magnifique. Ça vous ferait plaisir, monsieur ? Pour l'instant, nous allons nous régaler. Et pour terminer, un peu de gourmandise, toujours, parce qu'on aime ça, Charlotte premier fraise, donc vraiment, côté vraiment frais de la fraise, accompagné par la glace vanille. Et écoutez, moi j'ai envie de vous faire une petite dégustation pour terminer ce repas. J'ai envie de vous apporter, deux styles de vins différents, je pense. Le premier va être un Gewürztraminer mineur sur un vieux millésime pour justement faire écho à ces glaces un peu bourbon. Côté un peu vieillissant qui va apporter un côté litchi vraiment frais sur un joli millésime de 2012 sur la maison de Joss Meyer, deux sœurs qui travaillent super bien ensemble, donc appellation Alsace, sur un Gewürztraminer vraiment sturdive en 2012, Amit Jel, donc vraiment très frais, et je vous servirai 6 centimes. Merci beaucoup. 5 minutes pour le vin, 2 minutes pour les spiritueux. On n'a pas été trop taquin, on a décidé de vous montrer la bouteille. Alors, on l'a ouverte avant, hein, mais c'est sa petite sœur. Et donc, on a décidé de vous faire déguster un Pelphone Grange sur le millésime 2018. Je vous en prie. Alors, tout, madame, monsieur, merci beaucoup pour m'inviter de cette dégustation autour d'un monument. Alors, je vais commencer. Donc, nous avons un vin rouge à la robe grenat profond au dégradé rouge cerise. Une brillance éclatante, une limpidité nette et une intensité soutenue. Le disque fin et élégant et offre une concentration des larmes, justement, peu nombreuses mais épaisses sur l'ensemble de mon calice et qui descend vraiment tout doucement. Donc je dirais à l'œil que nous avons déjà un œil appétant qui donne envie de continuer la dégustation. Donc le premier nez est déjà ouvert et s'exprime sur la famille aromatique des fruits à chair rouge, à la mûre, à la framboise, souligné par un grain d'épice. Après aération. On a un vin qui est magnifique, on a vraiment ce côté fraise confite, accompagné d'une groseille qui apporte cette fraîcheur. On a également cette douce pointe de cannelle qui apporte un côté très réconfortant justement, souligné par un léger bois mais très bien apporté, un côté bois neuf justement. Et tout ça souligné d'une grande fraîcheur, d'une gourmandise, donc en conclusion je dirais qu'on est vraiment sur un nez rempli vraiment de gourmandise, de fraîcheur. Et qui donne juste envie, c'est de continuer cette belle dégustation parmi vous.
on est en présence d'un insecte. La plaque est souple, vraiment rafraîchissante, et qui évolue sur un milieu de bouche qui prend de l'ampleur avec de la robustesse, mais vraiment avec un grain de tanin qui repose délicatement sur le palais, avec cette sensation justement un peu de langue de chat, poudre de cacao sur la langue. Donc vraiment, et par la rétroflexion, justement, on retrouve cette sensation un peu de peau de cerise, de framboise, même légèrement de groseille qui apporte cette acidité et qui offre justement une finale qui joue sur l'amertume, également côté robustesse, et qui apporte vraiment cette harmonie entre le côté chaleureux du vin, mais vraiment cette gourmandise. Donc, en conclusion, je dirais qu'on est vraiment sur un extraordinaire, avec justement qui joue sa carte sur la structure, mais qui est vraiment sur les fruits noirs apportés par cette épice, que j'ai vraiment eu plaisir à déguster. Donc, l'état du vin est parfait. Je pense qu'on peut le laisser quelques années en cave, minimum 10 ans. C'est un vin qui est fait pour la garde. C'est comme ça que Penfold le voit depuis les années 60, justement. Ils ont voulu faire des vins de garde après un séjour en France. Et je le servirai dans une température voisinant les 16-18 degrés, dans une verrie style Lehmann, par exemple, le modèle Cabernet, pour offrir justement de l'aération au vin. Et je me permettrai également de le passer en carafe, par exemple, dans des cornettos de Chéridel, qui font super bien leur travail. Maximilien est un homme vraiment talentueux. Et pour l'accompagner. Donc on pourrait se faire plaisir avec des amis autour de la côte de bœuf. Voilà, une belle pièce de viande avec poivre, romarin, thym. En plus, il y a des beaux jours qui reviennent. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a un peu de pluie. Mais voilà, on va bientôt sortir les barbecues, c'est un plaisir pour Pâques. Donc voilà, une belle côte de bœuf avec quelques pommes de terre revenues au persil. Et on pourrait également jouer sur un pigeon cuit sur coffre, sur un serment de vigne pour apporter un côté très fumé, accompagné justement de gel de whisky tourbé sur le dessus et d'une sauce poivrade au vin rouge pour lier l'ensemble. Et en garniture, servir en salle une belle mousseline de betterave avec olive noire pour vraiment se faire plaisir et mettre en avant les arts de la table. Et on pourrait également se faire un joli 5 hectares, un beau 5 hectares vraiment gourmand, pain à l'ail avec justement un peu de figue, parsemé de poivre. Et je pense qu'on a 3 accords qu'on peut faire sans un repas et se faire plaisir autour de ce Penlove Vintage 2018 que j'ai eu vraiment honneur de déguster, je n'avais jamais goûté et j'en suis très heureux aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a 4 marques qui appartiennent au groupe Campari. Alors, vous avez, en tant que Campari, vous avez également Aperol, le Picon et également Grand Marnier, voilà, qui font de très très belles choses. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Quelques minutes.